tout le monde, c'est Dave des ateliers de musique du B. J'espère que ça va bien de votre côté. Aujourd'hui, on va voir le rythme numéro 8. Le rythme numéro 8 est un rythme syncopé. Un rythme syncopé, ça veut dire tout simplement accentuer les temps faibles. Les temps forts, ce sont les temps 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les temps forts. En 4-4, évidemment. Les temps faibles, ça va être les contretemps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc, je vous montre le rythme numéro 8. D'abord en solfège. Je vous invite à le dire avec moi. 3, 4. Noir, noir. Croche 2, croche 3. Maintenant, en termes de temps, 3, 4, 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4, et 1. On termine avec le picking bas haut, bas haut. Allons-y. 1, 2, 3, 4, bas, bas, haut, bas. Maintenant, on va terminer. Évidemment, je vous invite à répéter avec moi les rythmes. On va faire deux fois sur mi mineur et deux fois sur la mineur, donc deux mesures chaque. Je garde ces deux accords-là toujours parce que ce sont deux accords très simples à apprendre et qu'on peut se pratiquer à alterner nos rythmes. Au début, quand on apprend les rythmes, je le répète, c'est important de prendre des accords qui sont simples pour vraiment les appliquer et que ça sonne bien. Donc, allons-y. 3, 4, bas. Donc, en espérant que la pratique du rythme numéro 8 vous fasse penser à plein de chansons connues, ça c'est sûr, je vous invite à reviser les rythmes précédents puis vraiment les maîtriser à différents tempos. Cliquez « J'aime » sur notre page Facebook, les ateliers Musique du B. Également, mon projet, mes projets, Dave et les Patriotes, allez nous trouver sur Facebook, cliquez « J'aime ». Même chose avec « Shatters ». Shatters Band, Québec, vous allez me trouver facilement sur Facebook. Et les ateliers de musique du B. Cliquez le pouce bleu et à la prochaine. Merci tout le monde. Salut.